on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Evolon 2 sur PC. La dernière fois, nous étions arrêtés juste ici après avoir fait le côté droit de la zone. Et on va tout de suite faire le côté gauche. Donc j'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme. Parce que moi, oui. Mais nous allons tout de suite continuer. Tada! Donc j'espère que ce let's play vous plaît. Hein. Bon, en tout cas, je m'amuse à le faire. Aïe! Ok, donc... je devrais peut-être essayer ça... ah, je peux pas revenir, bordel de merde... voilà, ouverture. Assez simple à tuer ses ennemis. Hein. Bientôt au niveau de 14. Faudrait que je fasse un peu le tour de la zone quand même. Ok. D'accord, encore des énigmes. Alors... ça, c'était assez chaud en fait. Ah non, ça va, ça se bouge pas, je croyais que ça, ça allait bouger. Il en reste une. Allez, marche. Pas ce qui était prévu. Et voilà, on continue. Level up, plus 2 d'attaque, nice. Voilà, la pauvre chou. Comment je puis faire? Oh, d'accord.
Et voilà, les trois d'un coup. Pardon. Voilà, comme ça, ça s'est fait. Alors... Oups. Et bon, bon. Comment je pourrais faire? Ça c'est bon, ça on peut pas passer et on remonte. Comme ça je monte sur celui-là de droite, je passe. Waouh, trop bien. Ok. Allons-y. Désolé, je parle pas beaucoup, mais là c'est un petit peu la fatigue qui prend. Et ce n'est point grave. C'est la dernière vidéo que je ferai ce soir. Ça sent le boss fight. Hein. Et c'est le boss fight. Peut-être pas un boss, mais... Un fight de blob, ça va être marrant. Vous mourrez tous. Voilà qui est fait. De l'argent, toujours plus d'argent. Ok, donc...
Voilà, comme ça. Comme ça, j'ai un trésor. Et la dernière gemme étrange. Si je meurs là, ça va être marrant. Non. Mais j'ai une nain. On met les deux gemmes étranges. Et voilà. C'est ça, amour, toi. C'est bien ce que je pensais, c'est lui. Qui a détruit mes jolis pots? C'était mes préférés. Oh, je vous reconnais. C'est vous qui étiez venu chasser mes amis les fantômes de la forêt. Et maintenant que j'ai de nouveaux amis, vous voulez me les prendre aussi, c'est ça? Non. Je ne vous crois pas. Je vois que je n'ai pas le choix, il va falloir que je me débarrasse de vous. Ah, c'est ta taille, c'est ça. Voilà. Ici, j'aurais dû la fermer. Oula. Dernier round, dernière phase. Et voilà. Assez simple comme boss. Ok, bah allons-y. Parlons-lui. Vous êtes vraiment trop fort. Désolé mes amis, une fois encore, je ne parviendrai pas à vous protéger. Mais on ne veut pas attaquer vos amis. C'est vrai, nous voulons simplement votre aide. Vous devriez être assez fort pour pouvoir déplacer le rocher du pont de Mayenne. Il fallait le dire avant. Mais c'est vous qui nous avez attaqué. C'est vrai. Je vous présente mes excuses. Je pensais... En fait, je devrais plutôt vous remercier. Après la rencontre, j'ai changé d'avis. Après avoir vécu seul si longtemps, j'ai décidé de me faire de véritables amis. Les humains ne sont pas si mauvais finalement. Ah, il s'est passé si longtemps depuis cette histoire de fantôme. D'ailleurs, vous êtes très bien conservé pour votre âge, madame. Si vous avez une astuce pour garder une peau aussi lisse, cela pourrait m'intéresser. Bien que je ne sois pas humain, je commence à avoir des ridées. Mais je suis encore jeune. Ce n'est pas encore figé. Je vais retrouver mon peuple. Nous devons impérativement passer ce pont. Malheureusement, je n'ai pas assez de force pour cela. Et vous êtes un démon, n'est-ce pas? Oui. Alors peut-être que je peux vous aider. Ce sera ma façon de m'excuser de vous avoir attaqué. Nous autres gardiens, nous pouvons capter le mana. De la mana? On en parler. Il s'agit d'une énergie issue de la nature. Elle habite toute vie mais est dangereuse à haute dose. Oui, c'est bien ça. On raconte qu'il est possible d'utiliser la mana pour accroître la force des démons. Je vais vous confier ma mana. C'est bien le moins que je puisse faire. Ok. Voilà ce qui est fait. J'espère que cela vous aidera. Partez maintenant. Je dois me reposer un peu. Ce combat m'a fatigué, cela faisait longtemps que je n'avais pas autant nagé. Peut-être que je devrais faire plus d'exercices et perdre un peu de poids. Alors comme ça j'étais, et lui aussi un gardien, pardon. Comme celui qu'on affrontait dans la forêt de notre époque, de mon époque. Je me demande si ils ont un rapport avec les Magi.
As-tu entendu cela, Solid Snail? Il nous faut trouver le personnage qui nous permettra d'utiliser cette main-là. Je sais qui est ce personnage. Allons le voir tout de suite. Hein. Ok. Je sens qu'il va y avoir beaucoup de boss. Alors, disent-ils la même chose? Ils disent tous la même chose. Alors. Let's go, let's go. Chez la Bibi. Alors la mana tout en bas. Oh formidable, tu as trouvé de la mana. Nous allons commencer avec ce grand costaud. Tu as un sujet d'expérimentation à l'idéal. Le pouvoir de Mélos a atteint le niveau de concentrer le plus longtemps pour une attaque encore plus puissante. Que puis-je apporter mon poulet? Ah, rien, casse-toi. Nice. Allons détruire ce rocher. Avant, j'ai l'impression qu'on peut détruire un autre rocher. C'est moi ou... ce n'est pas une blague. Voyons voir. Ah non, on peut pas. Niveau 2. Je le passe. Alors, regardons, y a-t-il d'autres choses? Cette zone, on l'a quittée. En même temps, ça nous fait du farm, donc bon. Ça nous fait le XP, on est niveau 14. Ouais, ça compte comme amélioration, donc il y a deux améliorations pour chaque personnage, donc il nous en faut encore 5. Hein. Kuro, regarde, c'est quoi ça? Oh. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Où est mon village? Mes parents? Mes amis? Tout a disparu. Je m'en doute un peu, mais maintenant j'en suis certaine. Ce n'est pas notre époque. Il faut qu'on découvre ce qui s'est passé. Allons voir Genova. On doit trouver quelqu'un qui saura nous renseigner. Oui, mais plus tard. Voilà, c'est le docteur du labo Gero. Non, c'est l'inverse. C'est le labo du docteur Gero. Voir le port.
Si vous voulez marquer, ouais. Ok. Le jeu il est magnifique, tu trouves? Il est magnifique, les musiques aussi. Ça doit commencer à fatiguer, j'ai plus parlé. On va rentrer dans Genova et puis je pense qu'on va s'arrêter très bientôt. Oui, je bouge, désolé, je me mets à mon aise. Nous allons nous arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout, abonnez à la chaîne. C'était Tostel pour HD Ban HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et vive les jeux vidéo.